Je vais chercher, hein. Désolé. Allez. Un sourire. Hein? Fais-moi un sourire. Estelle. Hein? Alain Salès, comptable, 45 ans, l'homme qu'il vous faut. C'est un peu court. Parlez-moi de vous. Que voulez-vous savoir? Quelle est votre situation de famille? Je suis célibataire. Des enfants? Non. Depuis quand vous êtes à Toulouse? Un an et demi. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Une séparation. Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme? Travailler pour votre société. Je vois que vous êtes bélier. Et quel est votre ascendant? Je ne sais pas. Vous connaissez l'heure à laquelle vous êtes né? Vers 8 heures du soir, je crois. À quoi cela vous fait-il penser? À des trombones. Excusez-moi, je ne vois pas la pertinence de tout ça. Hein. C'est. Excusez-moi, j'ai réagi de façon idiote. Je voulais pas vous manquer de respect. À une chenille. À la solidarité. Votre CV est très bien. Vous avez une bonne formation. De l'expérience. Beaucoup de qualités, mais nous recherchons quelqu'un de plus stable. Excusez-moi, je ne comprends pas. Votre parcours professionnel est erratique. Vous avez souvent changé d'emploi. J'ai enchaîné des CDD, j'ai de multiples expériences, tout est détaillé dans mon CV. Mais vous ne semblez pas savoir ce que vous voulez. Je veux du travail. Et sinon, quelles sont selon vous vos qualités, monsieur Salès? Je suis autonome et efficace. Oui, ils me disent tous ça. Et pourquoi je vous prendrais vous plutôt qu'un autre? Allez, je vous écoute, c'est un entretien d'embauche, je vous teste. Nous sommes là pour parler de vous. Notre recrue aura parfois à gérer des situations conflictuelles ou délicates. Je veux voir comment vous réagissez, et là, votre attitude n'est pas très convaincante, monsieur Salès. Allez, reprenez-vous. Je vous prie de m'excuser. Pensez-vous réellement être qualifié pour ce poste? Mais je ne serais pas ici face à vous si je ne le pensais pas. Je vois que vous êtes au chômage depuis longtemps.
Je sais ce que c'est, pas pendant aussi longtemps, mais je suis passé par là, moi aussi. Faut s'accrocher, monsieur Salès. Encaisser les coups. C'est bien ce que je fais. Je ne vous vois pas très motivé, monsieur Salès. Excusez-moi, j'ai de réelles motivations. Je suis juste un peu... Oui, je vous sens un peu hésitant. Pourquoi je vous prendrais vous plutôt qu'un autre? Vous savez ce que vous allez avoir à gérer? Bien sûr, j'ai bien lu tout l'organigramme de votre société. Je crois être tout à fait apte pour ce poste. J'ai réellement besoin de travail et j'ai réellement envie bien, de travailler. Bien, monsieur Salès, ça va, très bien. Vous l'avez déjà dit, j'ai votre CV devant les yeux. Je vous rappelle d'ici une dizaine. Bien, merci. Ça va, stresse pas. Ils vont te garder, à mon avis. T'es devenu indispensable. Ils s'en rendront vite compte. Tu sais, il m'a encore touché. Il m'a tapoté les fesses. Qui ça? Toi, t'es marié. Il te fout la paix. Tu devrais pas te laisser faire. Aller voir un... Faudrait aller voir un syndicat ou une association, je sais pas. Bon, si tu fais le mois de mars, ouais. Après. Ouais. Vous pouvez de nouveaux accords, mais de là à supprimer complètement, en tout cas, c'est pas mon créneau ni ma volonté. Car un travail reste un travail, et celui qui attend les Bleus, se qualifier dans un groupe qui comporte l'Espagne, n'a rien d'une sinécure. On parle cyclisme et dopage, deux semaines après avoir été déchu de ces sept. Salut ma poupée, qui t'attendait? Je rentre tôt aujourd'hui. Je vois ça. Tour de France par la France. T'étais où? Au travail. Ta poupée était au travail. T'es sous? Viens. Viens, pas peur, viens. T'es où? T'as deux heures de retard. Il faut pas de moi. J'étais au bureau. On a été débordés aujourd'hui. Ils vont peut-être me renouveler mon contrat. Je t'ai appelé. T'as pas eu mon message? Je t'ai déjà dit, t'as aucune raison d'être jaloux. Joue pas avec moi. C'est pas humain ce que tu me fais. J'aime pas quand t'es comme ça. Arrête. Est-ce que tu crois qu'ils t'ont engagé pour tes compétences? Je comprends rien, si tu veux pas comprendre. Je peux plus, moi. On en a déjà discuté. Moi aussi, j'en peux plus. Allez, viens. Viens, pas peur. Allez, viens ici, viens, pas peur. Ne me prends pas pour un con, je te dis. Hein? Mais tu vois ce que tu me fais faire? Je sais, t'es pas un paillasson, mais moi aussi j'ai un cœur. Hein? Tu penses à moi des fois? Tu penses à moi? Arrête! Arrête!
Bonjour. Bonjour. C'est ce que je pense que c'est ? C'est quoi ? C'est un cadavre ? Dites-moi ce que c'est qui ? Il me battait. Je me suis défendue. Je me suis juste défendue. Croyez-moi, je vous en prie. Dites quelque chose. Faut appeler la police. J'ai paniqué, je sais plus. Vous êtes garé loin ? Non, tout près. C'est à vous la voiture blanche ? Oui. Vous réalisez que vous devenez mon complice ? Vous saurez vous taire ? Oui, oui. Vous inquiétez pas. Je peux compter sur vous. Vous me dites la vérité ? Oui. Alors, vous pouvez compter sur moi ? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire ? Partir, je sais pas. Vous auriez dû appeler la police. C'est trop tard maintenant. Vous pouvez encore le faire. Vous vous êtes défendu. Il est mort et enterré. Qu'est-ce que vous allez faire ? Fuir, je vous ai dit. Partir, très loin. Non, c'est pas une bonne idée. Oh, putain, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre ? Restez en ville, on vous y cherchera pas. Vous pouvez venir chez moi. Vous y faire oublier un moment. J'ai aussi une maison en Ariège. Elle était à mes parents. C'est petit, vétuste, mais vous y seriez tranquille. Je vais pas retourner chez moi. Non, ce sera pas prudent. Ni aller chez vous. Restons pas ici.
Et votre voiture? Je m'en occuperai plus tard, j'irai la chercher tout à l'heure. Ok, je vais la prendre, ma voiture. Vous n'aurez qu'à me suivre, on fait ça? Personne ne vous retient. Vous pouvez partir. Oubliez tout ce qui est arrivé. Qu'est-ce que t'as? T'es désœuvrée? Je te plais? Tu m'as prise en pitié? Vous voulez qu'on aille chez vous, c'est ça? Vous y seriez en sécurité. Vous venez d'aider une inconnue à enterrer un cadavre. Vous avez rien de mieux à faire. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Alain. Estelle. Ravi de vous connaître. Quoi? Vous serez vite repéré si vous fuyez. Il faut vous cacher. On n'est pas le choix. Restons-en là. On se connaît pas, on s'est jamais rencontrés et merci pour tout, d'accord? Mais vous êtes qui? Vous faites quoi dans la vie? En ce moment, je suis en recherche d'emploi. Et qu'est-ce que vous voulez? Et vous aider, c'est tout. Vous avez besoin d'aide. Et vous allez pas me faire du chantage après? Abuser de la situation? Mais non, je suis pas comme ça. Et vous êtes comment? Pas comme ça. C'est plus prudent de bouger. Écoutez, les clés de la maison sont chez moi. Je vais passer les chercher. Je vais vous prendre de quoi manger aussi. J'en ai pas pour longtemps, ça vous laisse le temps de réfléchir. Je connais un coin. Près du canal du boulevard de Suisse. C'est tranquille. Je vais vous faire une croix sur le plan. On va échanger nos voitures aussi, ça peut brouiller les pistes. Non, non, non. Si, si, ça peut brouiller les pistes. Non. Bon, faites-vous discrète, ça ira?
va s'inquiéter de sa disparition. Qui ça? Mais le... Votre... Ah, non. Non. Allez-y, on se retrouve là-bas. Madeleine, c'est Estelle. Voilà, je suis vraiment désolée, je ne vais pas pouvoir venir aujourd'hui, ni demain, ni le reste de la semaine, en fait. Ma mère a des gros soucis de santé et il faut que je m'occupe d'elle. Voilà, je voulais vous remercier et puis ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai une autre perspective de travail, ça va aller. Je comprends, mais il faut pas que vous ayez peur de moi. Tenez. C'est quoi? C'est une lettre pour ma mère. C'est en ville, il y a l'adresse là. Vous pouvez la lui déposer? Mais qu'est-ce que vous voulez écrire? C'est pas prudent. Que je disparais quelques temps pour réfléchir, qu'elle s'inquiète pas. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Faites-le, c'est tout. Allez-y seule, j'ai pas envie de la croiser. Je vous attends ici. C'est pas prudent de rester ici, il faut bouger, faut pas se faire repérer. Je vais vous faire une croix sur le plan, c'est près du grand parc, pas loin d'ici. Voilà, c'est là. Et ensuite on ira en Ariège, j'ai récupéré les clés chez moi. Vous m'avez demandé de vous croire? Oui. Je crois que je suis tombé amoureux de vous. On se connaît à peine, c'est totalement insensé. Je suis pas un pervers, je sais pas quoi vous dire. Dites rien alors et... Allez déposer ma lettre, s'il vous plaît. Thank you.
la lumière fut. C'est ma cave. Ben, je sais, c'est un peu le bordel, excuse-moi. Moi, c'est Balthazar. Comme le roi mage en Galilée. Et toi? Et toi? Alain. Salut, Alain. Ravi de te connaître. Où je suis, là? C'est quoi, ça? Vous auriez pu trouver mieux comme endroit. Quelle stupidité de l'enterrer là, en plein jour, en plus. Surpris par le petit matin quand tu l'as rejoint. C'est beau, le petit matin. Un mari, on comprend. T'es l'amant, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, si je respecte pas les règles. Bah allez, reprends tes esprits, je t'ai laissé assez de temps. Où je suis, là? Quand je te regarde, j'ai l'impression de me voir. On va apprendre à se connaître. On a tout le temps. Vous m'avez ému. Oui, vous m'avez ému, tous les deux. Mais moi aussi, j'ai besoin de chaleur humaine. Je peux pas rester toujours comme ça. Qui êtes-vous? Balthazar. Je l'ai déjà dit. Je m'appelle Balthazar. Mais qu'est-ce que je fais ici? Alain, Alain. Ici, la peur n'existe pas. N'aie pas peur, je vais rien faire de sexuel. Je préfère les dames. C'est pas la peine de mentir. C'est plus la peine. Tu la trouves belle comme le jour. Et tu ferais n'importe quoi pour elle, c'est ça. Je comprends rien. T'as éclairci les idées? Sinon, tu fais quoi dans la vie? Je suis au chômage, je cherche du travail. Ah. Ah, c'est pas évident en ce moment. Tu sais qu'on est des millions à faire ça dans ce pays? Une sacrée force pour changer la donne. Mais il se passe rien. Je te demande pas de partager mon avis. Mais me regarde pas comme ça, je suis pas communiste. Tu votes? Non. Ouais, moi aussi j'ai arrêté. Et ta maîtresse, elle fait quoi? Mais c'est pas ma maîtresse! Et tu l'as aidée à enterrer un cadavre, si c'est pas de l'amour, ça. Ben, je trouve ça touchant, tu sais. Non, sincèrement. Y'a que l'amour pour nous sauver. Non, vous vous trompez sur ce que vous avez vu totalement. C'est vrai. Ne raconte pas d'histoire, il me prend pas pour un con. Elle est mignonne, ta copine. Faudra que tu me dises où la trouver. Je la trouverai de toute façon. Tu te demandes ce qui nous arrive. Mais je fais pas ça pour le plaisir. Allez, à demain. On fera la fête. Thank you.
n'autorisez pas, madame. Mademoiselle. C'est la rue du besoin ici. La rue des putes. Vous êtes réel ? Pardon. Vous êtes bien là ? Oui. On dirait bien. J'existe. Vous vous sentez bien ? Ça va. Vous êtes sûr ? Ça va. Et vous ? C'est très calme. C'est lundi. Tu devrais pas rester là. On pourrait se méprendre et te prendre pour quelqu'un d'autre. Ah bon ? Même habillée comme ça ? Oui, je sais. Moi, ça se voit que je suis une salope. Ah non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Tu devrais rentrer chez toi et aller te coucher, ma chérie. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien ? J'ai soif, je voudrais boire de l'eau, s'il vous plaît, j'ai besoin de boire. Résiste encore un peu. Écoute-moi, je te donnerai à boire après. Ça va, ça va. Je suis désolé si c'est si humiliant. J'ai soif. Allez. Si t'as envie de pisser, t'as qu'à te faire dessus. Je vais pas te sortir la queue. J'ai de l'alcool, si tu veux. Non, merci. Ah, c'est bien, t'es poli, c'est bien. Ah, je t'emmerde, hein. Pardon, pardon, ça m'a échappé. Voilà. Moi, je vais me coucher, je suis fatigué. À demain. Repose-toi. Et imagine que t'es en congé maladie. Bonsoir. Bonsoir. C'est combien ? Mais qu'est-ce qui vous prend ? Dégage. Mais ça va pas te taper comme ça, non ? Ça va ? C'est tout vu, n'ayez pas peur. Vous dormez dans votre voiture. Venez avec moi, j'ai fait du feu, venez vous réchauffer. Restez pas ici toute seule. Où ça ? Juste à côté, de l'autre côté de la rue, là, près du feu là-bas. Pourquoi je vous ferai confiance ? Et je vous invite juste à venir vous réchauffer. C'est juste à côté, là derrière. Restez pas ici, c'est pas prudent. C'est un peu glauque comme coin. Allez, venez. On m'appelle le veilleur. Et toi ? Je tutoie. C'est quoi ton nom ? C'est quoi ton nom ? Estelle. Le gars tout à l'heure, il a confondu, faut pas lui en vouloir. C'est la zone érogène de la ville. Détends-toi, ma belle. On m'appelle pas comme ça. Ouais. Excuse-moi. Pas te frapper pour si peu, va. Ça va mieux ? Vous avez pas toujours été là ? Non. J'ai travaillé. J'ai même été marié. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Divorce, chômage, alcool. Chômage, alcool, divorce. C'est du passé, n'en parlons plus. T'es curieuse. Pourquoi tu dormais dans ta voiture ? T'es à la rue, toi aussi ? J'ai pas envie d'en parler. Et vous ? Pourquoi vous dormez dehors ? J'aime mieux dormir dehors. Vous avez pas peur la nuit ?
La nuit. C'est moi. Ça te dirait de baiser un coup? J'aurais regretté de ne pas t'avoir posé la question, t'es bien jolie, tu sais. N'aie pas peur, j'y reviendrai pas. Je t'assure, crains rien. J'ai plus peur de rien. C'est bien ça. Bon, je vais vous laisser. Non, reste, s'il te plaît. Reste un peu avec moi. Reste un peu pour moi. Ok, mais... un mot de trop, un geste déplacé, je me casse. Vous comprenez ce que je dis ? Ouais. Ouais. C'est agréable de parler avec toi. Je m'excuse encore. Tu m'écoutes, j'ai l'impression que tu es ailleurs. J'écoute. C'est une histoire qui marche sans savoir où elle va. C'est notre histoire. Une goutte d'eau dans l'océan. Tu t'endors. Je suis fatiguée. Je te fatigue, hein. Ma façon de parler, ça sonne fou. Non, non. J'ai essayé de le faire, de vivre en cage. Et je supporte pas d'être enfermé. T'es gentil. T'es évadé de ta cage, c'est ça? C'est ça, ouais. Dis-moi. Il me traitait d'allumeuse et de salope. Il me battait. Tu l'as quitté ? Il est mort. Il y a longtemps ? Il est mort, je me suis juste défendue. Vous direz rien ? Vous garderez ça pour vous ? J'ai tout de suite vu que t'étais un peu folle, toi aussi. Moi, je suis libre d'errer par le monde et je reste ici. Tu l'avoues comme ça à n'importe qui? Vous êtes n'importe qui? Non. Je serai muet comme un tombeau. T'as besoin de mon aide? Non. Je préfère ça. T'as pas besoin de me faire flipper. Tu t'es enfui d'une clinique, c'est ça? C'est beau, les flammes qui se reflètent sur ton visage. Tu sais pourquoi le monde va mal? C'est parce que les gens veulent jamais faire un pas de côté pour considérer les choses autrement. Et ils veulent jamais s'arrêter. Je me confie à toi, tu sais. C'est pas respectueux de te marrer. Pardon, c'est nerveux. T'es sacrément jolie quand tu souris, tu sais. Tu pourrais juste me masturber. Allez, t'inquiète pas, tu sais. Je suis inoffensif, je te dis. Ne me regarde pas comme ça. C'est des mots, rien que des mots. J'ai tenté ma chance, voilà, c'est humain. Où tu vas? Je vais pisser. Et puis non, je me casse. Pas besoin de moi. Je peux te faire plaisir tout seul. Tiens. Merci. Excusez-moi. Courage.
T'as aimé? T'es scié, hein? Ah, si tu m'avais vu il y a 10 ans. Ah, là, j'ai senti la grâce, là. La grâce. Ah, allez, dis-moi quelque chose. Allez, je t'écoute. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Je vais m'en aller maintenant. Repose-toi. Je suis vraiment débile aujourd'hui. T'es plus fâché? Tu m'as pas entendu arriver. J'arrive toujours pas à dormir. Nuit rude ce soir. J'en peux plus, je vous en supplie, sortez-moi de là. Pense à ce pauvre gars que t'as enterré. Et ne maudis pas ton sort. Je suis pas le premier. Je suis pas le premier à qui vous faites ça. Mais il n'y a que toi qui compte, mon ami. Dis-moi, je peux trouver ta copine. Ce sera pas méchant. Je vous aime bien, tu sais. Je vous aime bien tous les deux. Mais arrête de poser des questions, c'est moi qui pose les questions. Mais vous êtes qui? Un simple être humain. Je ne suis pas possédé par un esprit, je parle d'une seule voix. Tu
une reine, cette femme-là, n'est-ce pas? Oh, tu dois sacrément l'aimer pour avoir fait ça. Allez, vous vous trompez. T'as une autre explication à me donner? Non, pas à moi, mon ami, pas à moi. Je passais dans la... Arrête. Alors, libérez-moi et je dirai rien à personne. Mais bien sûr que tu vas rien dire. Tu vas pas aller te dénoncer. Je me tairai. Je vous ai rien à craindre, je vous promets. Mais il devait être sacrément embarrassant, cet homme-là, avant de devenir un macabé, là. Ça se voit tout de suite quand deux personnes sont amoureuses. Parle-moi de ta poupée. Bon, ok. C'est bon. Plus tard. Tu me raconteras. On a tout le temps. T'as déjà été au Danemark? Non. Mais on est seul ici, t'as rien à craindre. Y a pas de voisins. Je peux même hurler à la nuit. Oh, délivrez-moi et j'oublierai tout ça, promis. Je comprends que t'apprécies pas ce tête-à-tête. T'étais mieux avec ta petite chérie. Il est encore temps de vous arrêter, à pitié. Arrête un peu de te plaindre, s'il te plaît. T'as la trouille? Hein? Ah, le plus dur, c'est de ne plus rien contrôler. Écoute, te fous pas de moi, je t'ai dit. Excusez-moi, je ne pouvais pas dire ça. On te manque. Tu brûles de désir, tu te consumes. C'est toi qui l'as tué? C'est elle! Vous êtes fous. Non, pardon. Je ne pouvais pas dire ça, excusez-moi. T'as rien compris. Il faudra qu'on ait une discussion plus sérieuse, tous les deux. Tu entends la musique? Non. Ah, moi, oui. Elle m'enivre. Tu feras tes besoins dans la bassine. Mais pas dans ton loop, hein. Sinon, je serais méchant avec toi. Ok? Je vais te détacher un bras. J'ai posté votre lettre. Merci. Ah oui, j'ai brûlé ma maison, j'ai oublié de vous dire hier. Pardon?
Oui, je suis retournée chez moi, j'ai mis le feu. Vous êtes allé foutre le feu chez vous ? Ça va pas ? Vous vous sentez pas bien ? On nous a vus, j'ai rencontré un taré qui m'a séquestré dans une cave. Pardon ? J'ai rencontré un taré qui m'a séquestré dans une cave. Il nous a vus, il m'a suivi et kidnappé. Je me suis évadé. Sérieux ? Oui, oui, je délire pas. Il nous a vus dans la forêt hissée pour le corps. Il a prévenu la police ? Non, non, c'est un taré psychopathe. Il doit avoir des choses à se reprocher, il ira pas voir les flics. Mais pourquoi il vous a kidnappé ? Il croit que je suis ton amant. Enfin, votre amant, que je vous ai aidé à tuer votre mari. J'ai eu beaucoup de chance, je me suis évadé et je... Vous devriez éviter d'être vu, faut pas rester ici. Venez chez moi, je vais pas vous toucher, je vais pas vous toucher. Je vais y aller. Où ça ? Je vais aller voir le gars là, le taré. Il faut que je lui parle. Il m'a enchaîné dans sa cave, c'est un vrai dingue. Il en a après vous aussi. Il est dangereux, vous comprenez ? Mais moi aussi je suis dangereuse. Il a tout vu, vous dites ? Il vous a suivi, il sait qui vous êtes, moi aussi sans doute. Il faut y aller, s'assurer de son silence, on peut pas laisser traîner ça. Mais c'est complètement dingue. C'est de la folie. Il en a après vous. Allons-y maintenant, je dois savoir. Montrez-moi juste où c'est, faites ça pour moi. Mais c'est complètement fou de faire ça, je sais pas, c'est... Vous aviez dit que je pouvais compter sur vous. Oui, mais je sais pas, Non, j'en sais rien, je sais pas ce qui... Peut-être de vous. Votre disparition a peut-être signalé. Non, je veux pas savoir. Mettez de la musique plutôt. Sur la gauche. Bonjour. Bonjour. Vous me reconnaissez ? Oui. Ça va ? Ça va. Je vous offre une tasse de café. Oui. Oui, pourquoi pas ? Bien, suivez-moi, je vous en fais réchauffer. Je suis content de vous voir, vous savez. Ça, pour une surprise, c'est une surprise.
Ah, j'espérais bien vous parler, vous savez. Mais je pensais avoir à vous chercher. Et vous êtes là sous mon toit. Mais j'aime ça, l'inattendu. Vous avez des nouvelles de votre ami Alain ? On s'est pas quitté en très bon terme, ça m'embête. Du sucre ? Qu'est-ce que tu vas me faire? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? T'es un petit peu à cran, on dirait. Mais pourquoi vous faites ça? Je vous ai rien fait. Tu vas me tuer, moi aussi? J'ai pas l'intention de tuer qui que ce soit. Menteur. Prends ton pied. Tu regardes le visage d'un homme mort, c'est ça? De me voir comme ça. Fais-toi une raison. Pense à tout ce que tu m'as dit quand j'étais à ta place. Mais t'as pas fait assez de mal comme ça? Je te demande pardon, voilà, c'est bon, tu peux me détacher maintenant. Tu penses que t'as le cran de me tuer? Putain, je suis con. Bien sûr que t'as le cran. Mais c'est pas ce que tu voulais. Tu voulais juste être heureux. T'es dans un cercle vicieux, mais tu peux briser le cercle. Brise le cercle, putain, je t'en supplie. Alain ! Je préfère mourir demain. Pas aujourd'hui, je suis pas prêt. J'ai besoin d'un peu de temps. Tu dois bien ça, non ? De faire ça. Je vois pas d'autre solution. Pourquoi vous êtes restée avec votre mari? Il vous battait. Ne changez pas de sujet. Il faut qu'on se débarrasse de lui. C'est trop dangereux. Vous avez dit que vous m'aimiez. Et on fera quoi après? On tuera qui? J'irai me cacher chez vous. Si vous êtes toujours d'accord. Bon, je vais voir ce qu'il fait. Ça va? Je m'emmerde. J'ai peur. C'est moi qui vous fais peur? Alors. Tu l'as déjà dit. Vous êtes méchante. Et tu sais pas à quel point. Je veux pas mourir. On meurt tous. Oublions tout ça. On en restera là, c'est promis. J'irai rien pour le macabre, je ferai comme si rien n'était jamais arrivé. Vous pourriez faire une dénonciation anonyme. Oh non. J'ai trop d'ego pour ça. Une lettre anonyme, c'est lâche. Pétasse. Allez, vas-y, laisse-moi si c'est tout ce que t'as à me dire. Pétasse.
trouvé ça. Des anxiolytiques, des calmants. Il y a plein de trucs ici. Vous en voulez ? Non, non, merci. Plus tard, peut-être. Vous avez bu ? Un peu. Pardon. Vous devriez faire attention, c'est pas prudent de mélanger. Je vais me coucher. Je prends la chambre. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Qu'il fallait pas mélanger. Je vais dehors, je vais prendre l'air. C'est moi, c'est Alain, c'est moi, vous me reconnaissez. Oui, oui. C'était un cauchemar, c'est fini. J'ai cru que c'était lui. C'est un cauchemar, c'est fini maintenant. C'est fini. Bonjour. Balthazar est là ? Bonjour. Balthazar est là ? Non, il est sorti. Je suis Nadine, sa cousine. Et vous ? Alain, je me réveille, je suis un peu dans les vapes, excusez-moi. Il y a quelqu'un avec vous ? Oui, Estelle, mon amie. Estelle, mon amie. Bonjour. Bonjour. Tu tombes mal, on dirait. Qu'est-ce que vous faites ici ? Nous sommes des amis de Balthazar, on est juste de passage. Il revient bientôt ? Non. Enfin, non. Il nous a prêté sa maison, il est parti en randonnée. C'est pas trop son genre, ça. Il est pas très sociable. Il lui est arrivé quelque chose. Non, on est des amis de Balthazar, on vous dit. Il vous a jamais parlé de nous. Il a pas d'amis. Et vous ? C'est mon cousin. On se voit pas très souvent. Il est pas facile. C'est un personnage, vous savez ? Non, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous venez faire ? Vous êtes qui, en fait ? C'est sa cousine. Pourquoi vous êtes si agressive ? Ça va pas ? Vous voulez un café ? Non, merci, je suis pressée, je fais que passer. Excusez-moi, dites-moi la vérité.
On est mariés, mais pas ensemble. Balthazar nous prête sa maison. Ben dis donc. Mon mari me bat. Moi, je vais vous laisser. Vous direz que je suis passée et que je reviendrai à l'occasion. Vous direz rien. Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est pas la joie, tous les deux, on dirait. Bon. Oh. Ça me surprend. C'est pas son genre. C'est quand même un vrai sauvage, hein. Ça me fait plaisir de voir qu'il a des amis. Même des gens comme vous. Bon, ben, je vous laisse les pommes, c'est pour ses compotes. J'aime pas le mensonge. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vraiment gentil de la part de Balthazar. Vous lui donnez de l'argent, c'est ça? Non, non, non. Moi, je vais y aller. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Faudrait le nourrir, lui aussi. Faut qu'il se calme d'abord. J'ai trouvé ça en rangeant la vaisselle. Je peux le faire. Il est chargé? Oui. Vous avez un message? Ouais, c'est rien. C'est pas prudent, on peut se faire repérer avec ces machins. Allez m'en occuper. Un vrai prince charmant. Tu me fais gerber. J'ai creusé un trou au fond du champ pendant que vous dormiez. Mais arrêtez ça. Ça va vous hanter à jamais, je sais de quoi je parle. C'est toi, par pitié. Mais vous avez conscience de vos actes? Ce que vous êtes en train de faire? Oui, c'est vrai, nous on n'a pas l'excuse de la démence. Frassant. Je vais chercher le flingue. T'aurais dû faire ça dans la cave. On est en plein jour, c'est pas prudent. Vous êtes toujours aussi couillon. Ah, avance. Ça change tout d'avoir un revolver dans la main. On dirait que tu bandes. Seul amour fou, c'est beau, c'est fort, ça. Je suis tout excité, tu sais. Et j'ai plus peur. Je me sens léger, là. Léger. J'ai déjà l'impression de perdre tout mon sang. Allez, arrête, 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 allez. Mais je suis pressé, finalement.
Ça doit être un bon coup, ta copine. Hein? Elle a l'air terrible. Elle doit être fantastique au lit. Non? T'as déjà vu mourir quelqu'un? Tu vas voir, c'est impressionnant. Là, c'est ironique. Là, je devrais voir défiler toute ma vie devant mes yeux et je vois rien. Rien que toi qui as plus peur que moi. Allez. La mort vient tout nous pardonner. Pour toi, si elle viendra. Qu'est-ce que vous voulez dire? Allez, finissons-en. Je suis vraiment désolé. Je sais, oui. J'en doute pas. Un pistolet d'alarme, ça tire à blanc. Moi aussi, je suis désolé. Thank you.